Je me rends compte qu'en avançant en âge, en fait, je reviens beaucoup à des choses de mon adolescence. Et là, j'avais ce souvenir d'adolescent, d'avoir vu à la télévision, puisque toute ma découverte du monde passait par la télévision, d'avoir vu Miracle en Alabama d'Arthur Penn, je pense au dossier de l'écran, et avec mes parents à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et cette histoire m'avait profondément impressionné, mais toujours resté. Et toute ma vie, j'ai gardé en tête cette histoire de faire peut-être quelque chose autour de l'histoire d'Helen Keller, cette fameuse américaine sourde et aveugle, sauvée par sa gouvernante Anne Sullivan. Dans mes films, de façon plus ou moins consciente, je me rends compte que je suis toujours attiré par des personnages qui sont différents des autres. Hein. C'est mon empathie, je m'identifie à eux. Et j'ai toujours ce petit objectif, hein, en tant que réalisateur, de me dire, voilà, essayons de mettre au centre de l'écran des personnages qu'on met de côté dans la vie. Ça a été les prisonniers des aveugles innocents, les malades de C'est la vie, les clandestins de Maman est folle. C'est ce qui me porte, de toute façon. Et dans l'histoire de Helen Keller, c'était le cas absolument, quoi, hein, d'avoir cette jeune fille sourde et aveugle, sauvée par une gouvernante, avec en plus quelque chose d'extraordinairement positif. Ça rejoint l'autre thème de mes films, il y a la différence, il y a aussi comment sortir de sa prison et comment arriver à communiquer. Et Helen Keller, c'est presque la métaphore absolue de ça, quoi. On est tous plus ou moins enfermés dans notre prison intérieure, et elle, justement, grâce à la personne qui la regarde, qui lui fait confiance et qui l'aime, va réussir à en sortir. Donc cette histoire m'a jamais quitté, et un jour j'ai dit à la productrice Sophie Réville, avec qui j'avais fait Maman est folle et La joie de vivre, ce que j'aimerais vraiment faire dans ma vie, une fois dans ma vie, voilà, c'est l'histoire d'Helen Keller. Est-ce qu'on peut refaire ça, même si c'est bien présomptueux de retraiter cette histoire après le grand film d'Arthur Penn? En commençant à chercher sur Internet, je suis un jour tombé sur l'histoire de Marie Hortin. On est 15 ans avant Helen Keller. Helen Keller, c'est 1910 aux États-Unis. Marie Hortin, elle naît en 1885, mais c'est en 1895 qu'elle arrive dans un institut de religieuses qui s'occupe de jeunes filles sourdes à Larnay, près de Poitiers. Donc j'ai lu cette histoire et je me suis rendu compte combien elle était inconnue de moi, mais je crois de énormément de gens. Je le répète souvent, mais sourde, aveugle, parce que c'est très dur de le concevoir. J'essayais toujours de me dire, moi, mais qu'est-ce que c'est? Déjà, moi, si je n'entends pas et je ne vois pas en ayant vu et entendu, déjà, c'est quelque chose, mais on a le souvenir. Mais naître sans voir le monde dans lequel on est, ni entendre, quand on sait que le bébé apprend le langage en le copiant, quoi, hein, en répétant ce que le papa, maman, qu'il entend de ses parents, comment je fais? Où je suis? Où je suis, tout est agression. Et si ces enfants sont souvent ou apathiques ou violents, c'est aussi parce que tout est agression. Comment savoir que voilà, la main qui s'approche de mon visage est une main tendre et pas une main agressive? Quand je commence à travailler sur un sujet, pour moi, ça s'accompagne beaucoup de recherches, de documentation. Et puis c'est presque ce que m'apporte le cinéma dans la vie, c'est qu'avec un projet de film, moi qui n'ose pas aller voir les gens, trop vers les gens, ça me permet d'aller découvrir des milieux. C'est ce qui s'était passé avec C'est la vie, où j'avais passé beaucoup de temps dans un centre de soins palliatifs et finalement pour tourner avec des malades dans le film. Et là, voyant que l'Institut de Larnay, près de Poitiers, où avait vécu Marie Hortin à la fin du XIXe siècle et Sœur Marguerite, qui lui a pris la langue des signes et l'a sauvée, voyant que ce centre existait toujours, le premier réflexe a été, avec Sophie Réville, de dire « Allons-y, qu'est-ce qui se passe ?» Donc la première chose, c'est aller à Poitiers, aller à Larnay. Et puis surmonter la peur, parce que moi je fais des films donc, sur la différence, mais sur des choses qui me font peur à moi. Le soin palliatif, à l'époque, je n'avais jamais vu mourir quelqu'un, donc c'est pour ça que je fais le film, pour aller voir, et moi, voir si je peux surmonter ma peur, là en l'occurrence, des sourds aveugles, des personnes handicapées. Et j'arrive dans ce centre de Larnay, ému par ça, c'est quand même là que l'histoire s'est passée, fin 19e siècle, et tout de suite, plongé dans le bain, si j'ose dire, hein, tout de suite, je me suis retrouvé avec tous ces gamins, sourds, aveugles, avec des handicaps associés, et tout de suite bouleversé, et je crois que c'est ce que je cherche aussi, hein, dans cette façon que j'ai d'aller dans des milieux réels, hein, c'est tout de suite plongé dans la vie, quoi, hein.
grâce à ce projet de cinéma, c'est presque un mobile, un alibi, non, mais plus profond que ça tout de même, mais d'aller dans la vie, quoi. Et tout de suite, avec ces gamins autour de moi qui appréhendent, qui vous appréhendent par le toucher, j'en ai été absolument bouleversé, parce que moi, c'est justement ça, quoi, hein, le fait d'être un peu enfermé, d'avoir peur des gens. Et là, tout d'un coup, vous êtes dans un monde où la communication, quand vous arrivez, se fait voilà, par le toucher et par l'odorat, quoi. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, et donc c'était même drôle, hein, ils voient tous ces petits gamins, qu'est-ce que c'est que ce géant, quoi, en fait, en gros, hein, quand même, moi, quand j'entre dans une pièce avec tous ces petits, là, mais où est la tête, à la limite, hein, donc il faut que je m'assoie, et vous avez toutes ces mains qui appréhendent et votre visage et qui vous reniflent. Et donc, j'y suis allé régulièrement, et j'ai senti que j'avais vraiment fondamentalement envie de filmer ça, quoi. Et que j'avais toujours couru après ça, qui est cette autre communication, une autre communication que par la parole, une communication par les mains, par le toucher. Et c'est vraiment pour moi le geste cinématographique absolu, alors sans prétention, hein, mais ça rejoint en plus moi l'une de mes plus grandes admirations et même influences, hein, quand j'étais jeune, c'était vraiment Robert Bresson. Et je pensais vraiment à Robert Bresson, c'est-à-dire la main, quoi, la main qui touche le monde, hein, qui permet d'appréhender les gens, qui permet d'appréhender le monde, l'écorce de l'arbre, la douceur de l'herbe, la rivière qui coule, et notamment Pickpocket, hein, qui est un de mes films préférés, et qui dit l'enfermement, et justement par cette magnifique métaphore, quoi, hein, du pickpocket, dit la difficulté de toucher l'autre, hein, de rejoindre l'autre, jusqu'à cette phrase magnifique de la fin, quand ils sont de part et d'autre des barreaux, comme il a été long le chemin jusqu'à toi. Donc je me suis dit que j'avais le geste et que c'était absolument cinématographique. Je comprenais pourquoi il y avait eu autant de choses, même autour d'Hélène Keller, quoi. C'est-à-dire que c'est le monde du geste, quoi, hein, que tout passe par la main. Et le cinéma est fait pour tout de même filmer du concret, arriver, si tout se passe bien, au spirituel ou à l'idée ou à l'âme, mais tout de même ça passe par la main, ça passe par le concret.